Il y a le vent et le frottement. Ah oui, le son est bon, le son est bon. Vous avez eu raison de venir. Ce journal intime, écrit donc en 1834-1835, est celui d'une jeune aristocrate de 21 ans. Les lumières brillant çà et là nous avertirent que nous approchions de la ville. J'adore participer aux premières. Alors, c'est pas tout à fait une première, mais c'est une première dans le golfe du Morbihan et c'est une première à Saint-Gilda. Et ça, j'adore ça. J'adore ça parce qu'on se lance dans quelque chose. On ne sait pas comment les gens vont réagir. Je suis bluffé d'abord par le nombre d'auditeurs qui sont là. Je suis vraiment bluffé. Un dimanche après-midi avec du soleil et ils viennent écouter des beaux textes. Et d'y participer, j'avoue que ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Pour moi, il y a eu deux choses. D'abord, il y a eu la découverte de ces textes et le travail sur ces textes. Basiquement, c'est comprendre, sentir, pour ensuite mieux les exprimer. C'est-à-dire les faire presque mûrir. C'est un exercice très particulier de se mettre à la place de l'auteur. Essayer de ressentir ce que l'auteur a ressenti quand il a écrit ça. Parfois, c'est poétique, parfois, c'est dramatique, parfois, c'est drôle. Comprendre, sentir ce que les auteurs ont voulu mettre dans leurs journaux intimes avec leurs mots à eux pour essayer de les exprimer. En fait, c'est une question presque de complicité quoi, avec l'auteur. Puis la deuxième chose, c'est de les jouer, c'est-à-dire c'est de l'exprimer pour que les gens qui sont là pour écouter partagent à 100% avec nous. Je pense que c'est de la comédie, dans le sens le plus noble et le plus beau du terme. J'ai pris un grand plaisir et je pense que ça fait partie aussi là de l'exercice, c'est-à-dire que le diseur, celui qui récite, prenne du plaisir pour partager le plaisir avec les auditeurs. Je vais vous faire une confidence. La grande passion de ma vie, c'est presque plus le théâtre et le spectacle que le sport, depuis toujours. Lorsque j'étais adolescent, je voulais être comédien, je voulais entrer à la Comédie française. Et puis j'ai fait l'école de journalisme, j'ai fait droit. Et je suis rentré à la télévision et j'ai eu tous les bonheurs du monde de présenter le journal et ensuite de passer au sport. Mais j'avais au fond de moi l'envie de jouer sur des scènes. Il y a 10 ans, une rencontre assez formidable avec Jean-Daniel Laval, qui était le patron du théâtre de Versailles, m'a permis de commencer à jouer des classiques. Et donc c'est vrai que depuis 10 ans, je joue. J'ai repris des cours. Et en plus, j'ai eu la chance de me marier avec l'une des femmes les plus merveilleuses du monde, sinon la plus merveilleuse du monde, qui a été la directrice de la Comédie française. Donc on a une passion commune qui nous emmène voir et qui nous emmène apprécier les grands textes.